Merci. Passons à la communication de la presse qui va être présentée par Claude Gory. Il va traiter du traitement interventionnel et des complications de la chirurgie biliaire. La chirurgie biliaire, comme vous savez, est extrêmement fréquente. Il s'agit de la cholecystectomie ou de chirurgie plus complexe. Et je crois que c'est une des premières causes de plaies chirurgicales en France. Les fistules à bas débit et les fistules à haut débit.
Et nous verrons que l'héritage permet de différencier ces fameux cahiers aux fistules. En effet, on imagine facilement que si la fistule n'est vue après l'opacification du voilier intra-hépatique, il serait une fistule hérétique. Si elle est faite avant l'opacification du voilier intra-hépatique, c'est que mon bras passe par la brèche de la voilière principale. Donc c'est la même fistule centrale pour l'opposer aux fistules périphériques. Et c'est nos arrières, hein, comme ça nous en a atelier, évidemment, ça vaut mieux que ça. D'abord biologique, et ensuite évidemment clinique, et donc plusieurs mécanismes. C'est soit la stérilisation de la plaie biliaire progressive, c'est soit les lésions inflammatoires faites par la maladie biliaire, hein, et entre autres, et il existe également d'autres causes que nous verrons plus tard. Alors commençons, comment traiter ces fissures? Commençons d'abord par les fissures biliaires périphériques qui partent le plus souvent du noyau cystique dans 82% des cas, ensuite du lilémulaire dans 11% des cas, mais sinon je vais le faire. Identique, puisque sur ces 68 patients, nous
avons 130 chercheurs pour les études linéaires théoriques. Dans les délais entre la latence de vie et le traitement est d'une semaine, les extrêmes du monde 5 à 21 jours. La durée du séjour hospitalier est évidemment courte dans le cas de brin nasolier, un peu plus longue dans le cas de prothèse. La fermeture de la fistule est obtenue en général au bout d'une semaine, quelquefois plus rapide, encore une autre fois un peu plus longtemps. Les calculs qui sont observés dans 19% des cas associés dans cette série sont extraits dans tous les cas. Le drainage de la collection biliaire est fait par l'hydrosurène, il est fait dans 7% des cas, et il ne se fait uniquement en cas de phénomène septique, en cas d'augmentation de la collection, il est suivi par des échographies, le cas cutané, le banal. Alors, quelles sont les complications du traitement de ces fistules périphériques? Tout d'abord, on voit que la sphincter retenue associée au brin nasolier ou à une prothèse ont 7% de complications, 2 sur 17 cas, soit une hémorragie, soit une perforation, alors que les prothèses ne présentent aucune complication. Pourquoi? Parce qu'en général, sont si elles libres, ça fait une complication difficile à remplacer. La seule complication serait l'obstruction et une angiocolite, mais comme la durée de la prothèse, la mise en place de la prothèse a une durée très courte, mais elle n'a pas le temps de s'obstruer par le déficit de la vie, par les éléments du vie. Dans les complications à distance, avec le suivi de 6 mois, nous n'avons eu aucune complication tardive. Alors ici, cet auteur a étudié les résultats du traitement en fonction du débit de la fistule. Donc on voit que lorsque la fistule est à la débit, on utilise majoritairement la sphincter retenue endoscopique. C'est un peu un paradoxe pour une fistule qui normalement devrait peu guérir spontanément, utiliser une méthode qui présente des complications. Alors qu'à l'inverse, pour les fistules à haut débit, on utilise majoritairement des prothèses qui présentent un avantage d'avoir aucune complication. Par contre, le dossier est le même, comme on l'a dit, aussi bien pour la réussite que pour les complications, il n'y a aucune mortalité. Maintenant, on entre un peu plus dans le vif du sujet, c'est la section de la voie. Et on sépare la section partielle, comme vous l'avez dit, de la section totale. Pour l'instant, nous nous intéressons à la section partielle, qui se définit par l'absence de perte de la continuité de l'IR. C'est-à-dire que la bile s'écoule à la fois dans la cavité abdominale, mais aussi dans le duodénum. Et ces sections peuvent s'accompagner de sans sténose dans la moitié des cas. Et ça accompagne des sténoses en autre moitié des cas, plus comme je vous l'ai dit, et lu soit à des lésions inflammatoires dues à la maladie biliaire, soit aussi à la diffusion excessive du courant diathermique, qui peut entraîner secondairement une sténose, ou soit dû à un clivage non obstructif de la voie biliaire principale, surtout lorsque le cystique est très court et que le clip porte au niveau de la fonction que le groupe de l'air. Donc on va avoir un clipage non obstructif, alors que la plupart du temps les clipages sont obstructifs. Le délai est toujours à peu près le même, 12 jours, et là en général on a affaire avec des délais qui sont beaucoup plus élevés, c'est-à-dire plus de 500 cc par jour, comme on a vu tout du temps. Quel est le protocole de ce traitement des sections partielles de la voie? Évidemment, c'est la voie de la fasciculation, bien sûr, comme le diagnostic. Ensuite, c'est de mettre en place une prothèse avec ou sans sphincterotomie. En principe, on utilise plutôt la sphincterotomie avec le plastique, parce qu'il faut mettre plusieurs prothèses. Parce que la voie est en 10 mm. Et les prothèses plastiques, on les utilise dans le diffrane, c'est-à-dire 3 mm. Il faut 3 prothèses pour être avoir les plans, une prothèse à la pompe à valage, avec du métallique, en une seule prothèse 10 mm. Elle a l'avantage du métal, c'est que vous pouvez l'introduire sans sphincterotomie. Alors, pour introduire 3 prothèses plastiques, il faut avoir obligatoirement une sphincterotomie avec le risque de perforation et d'hémorragie, et surtout, les grands maladies, on ne peut pas contrôler malheureusement. Le drainage de la condition médio-fotosphénale est issu des mêmes critères que j'ai mentionnés tout à l'heure, et le compte endoscopique se fait après 2 semaines, chez les montres de papier normal, pour retirer le matériel et la façon de la vie, évidemment, à distance. Par contre, il existe une sténose à la voie biliaire, on en reparlera, s'il entre, on le circuit du traitement des prothèses biliaires, qui est radicalement différent, comme nous le verrons. Alors, quels sont nos résultats pour ce traitement? D'abord, vous voyez, ça c'est très intéressant, que dans 41 cas, on a pu mettre en place une prothèse et traiter la fistule. Le plus souvent, de manière standard, comme le font tous les endoscopistes, quelquefois on utilise l'aide d'un radiologue pour le rendez-vous, c'est-à-dire qu'il met en place à travers le foie
un guide dans les voies biliaires intrahépatiques, dans la voie biliaire principale et dans le milieu de l'homme, et quand l'endoscopiste revient dans le milieu de l'homme, récupère dans le début de l'homme le suivi, le remet en place à l'extérieur à l'opérateur dans le stock, et les sources de lui une prothèse. Et par contre, alors, il y a une technique que nous faisons qui nécessite un radiologiste expert, surtout parce qu'en matière de fistules, il faut dire que les voies biliaires intrahépatiques sont des très atteintes. Vous voyez sur la diapo de gauche, vous voyez sur la diapo de gauche que le chimide passe en dehors de la voie biliaire. Ça, c'est le problème, c'est le risque. Et vous voyez sur la deuxième diapo, on a réussi, grâce à des astuces techniques, à retrouver la partie proximale de la voie biliaire qui a permis d'attaquer. Donc, c'est l'association du fistule. Et une sténose, ce qui peut se voir, et on a mis en place, comme vous le voyez sur la carte, une prothèse de Disch-Rach. Voici ici le principe du rendez-vous biliaire extracorporel. Sur la première diapo au haut et à gauche, la fistulographie montre évidemment la fistule. Par endoscopique, le deuxième radio, on voit que le drain nasobiliaire que l'on met, on met un drain nasobiliaire, et si on ne retrouve pas la voie biliaire proximale, on est toujours dans la cavité, comme je l'ai montré tout à l'heure, abdominale, donc on met en place un drain nasobiliaire dans la cavité abdominale. On demande au radiologue de ponctionner les voies biliaires, et ça c'est là où on peut avoir un radiologue, parce qu'elles sont très fines, qui va la mettre un drain aussi, il ne retrouve pas la voie biliaire distale, bien entendu, hein, il va la mettre son drain dans la cavité abdominale. Ensuite, en suivant le trajet de la fistule du drain symphatique, le radiologue sous contrôle gyroscopique saisit le drain et la ramène à l'extérieur. Hein, c'est la photographie de la mouille à droite. Et vous voyez évidemment, ça fait des tas de bouches, les diapos du bas. Et qui rend d'un côté le radiologue de l'autre endoscopiste, on a réussi à défaire toutes ces bouches et à retrouver le travail dans la gouttière, comme vous le voyez en bas et à droite. Ce qu'on appelle le rendez-vous extracorporel. Donc c'est la raison pour laquelle ces 41 patients ont tous été traités bien par les succès, puisqu'il y a une vésicule persistante sur 41 cas, qui fait comme déjà le bon résultat, de 2,5% d'échec seulement. Mais cette fistule aurait pu être évitée, d'ailleurs, c'est une unité de prothèse mécanique, ce qu'on a fait, parce qu'elle dispose, à cette époque, on ne disposait pas de prothèse mécanique. Par contre, les sections partielles associées à une sténose de la voie biliaire, on se retrouve dans le problème des sténoses, qui est avec un échec de 20%. Les complications ont été rares, 5%, une prothèse immigrée et une prothèse obstruée par des cellules immobilières, par plutôt par le forlement du sang des caillots, ce qui est rare. Donc, pour ce qui est des fistules biliaires réfractaires, c'est auteur à comparer les résultats, et ça c'est intéressant, du métal par rapport au plastique, sur une série évidemment un peu courte de 20 malades. On voit que c'est le succès clinique, mais n'est pas en faveur d'une prothèse métallique extensible pour l'être, ça c'est important. Avec une différence au point significatif, 100% du succès, 65% pour les prothèses plastiques. La fermeture élasticule s'est obtenue extrêmement rapidement, 1,5% plus forte que l'année versus 11 jours pour le plastique. Vous savez, la hospitalisation est beaucoup plus courte, ça c'est important. Et également, c'est au prix de complications, c'est 6-8% de complications. Mais ces complications peuvent être évitées. Si on met des prothèses métalliques, soit en intramédiaire, ou soit une prothèse métallique dans la partie distale, mais pas couverte. Parce que le problème, c'est qu'il faut construire l'orifice en métallique. En utilisant ce type de prothèse, ce qu'on n'a pas fait l'auteur, on aurait pu utiliser ces deux prothèses. La cinquième, par contre, le plastique n'a aucune complication, sauf si on utilise la microtomie. Bien sûr, il faut mieux utiliser le métal que le plastique, parce qu'avec le plastique, si on en a eu beaucoup, il faut en mettre beaucoup, il y a le risque de la complication de la sphincterotomie. Avec le métal, ça n'existe pas, sur des résultats de 8 mm sans sphincterotomie.
Alors, cet auteur, sur une série malheureusement trop courte, c'est un grotesque classique, nous avons vu tout à l'heure, qui traite cette lecture réfractaire, c'est-à-dire ces fissures qui avaient été fabriquées par une seule prothèse, avec 205 prothèses, et qui continuaient à couler, à persister, malgré une prothèse. Une prothèse n'est pas suffisante. Et c'est début de statistique avec vos évidences de mettre en place, pour but, de mettre à l'évidence les facteurs prédictifs du succès du traitement. Et l'on voit que l'intervalle entre la chirurgie et l'endoscopie n'intervient pas, puisque c'est 13 jours pour la fermeture de la fistule, et c'est 8 jours pour la persistance de la fistule, c'est toujours qu'il y a une différence, elle n'est pas statistiquement significative. Les mêmes constatations sont faites pour le seuil de la fistule, s'étant sur le cystique ou le non-cystique, ce qui veut dire que aussi bien l'intervalle de temps que le chef de la fistule n'interviendra. Et pour le chef de la fistule, on peut discuter, car vous remarquez que dans le groupe non-cystique, n'est pas précisé la source exacte de la fistule biliaire. Il peut peut-être y avoir des fistules périphériques autres que le cystique dans ce groupe, si bien qu'on peut discuter de l'étude statistique sur ce cas-là. Par contre, indiscutablement, le débit de la fistule et le nombre de prothèses que l'on met en place jouent un rôle très important, avec une différence statistiquement significative dans les résultats. Et si on met par exemple en place plusieurs fistules, plusieurs prothèses, on est fistule à la valérie, on est sûr de la guérir à 100%. Et de plus, le traitement des échecs des prothèses plastiques, pour ça que j'insiste bien là-dessus, peut être occupé par des prothèses métalliques, de la série qui est évidemment courte, mais c'est pas fait, en général, parce que c'est fistuleux. Elles sont guéries par simplement des prothèses métalliques standard, on peut réussir à traiter les échecs par des prothèses métalliques. Alors, la section totale de la voie de guerre a été observée chez une constatation, et lorsqu'une perte de la continuité linéaire, il y a deux solutions pour la vie, soit de se déverser dans la cavité abdominale, si la position est la plus désagréable, soit de rester bloqué dans le foie, dans les voies de guerre intergalactiques, à côté du pas. Mais là, c'est beaucoup moins dangereux parce qu'on va intervenir directement. Quoi qu'il en soit, dans notre petit de parler interne, la section totale de la voie de guerre en ce moment. Et c'est pour ça que ces fistules s'accompagnent soit de ces sections totales, s'accompagnent soit d'une fistule interdétat. Et le plus souvent, une CMO, c'est les meilleurs cas pour le chirurgien. Le interdétat, la fistule, c'est les cas les agréables pour le chirurgien. Et dans un interdétat, parmi les CMO, c'est les cas idéal pour le chirurgien. Les délais toujours les mêmes, les libillaires toujours les mêmes, plus important. Alors, ceci est intéressant de savoir que les complications que ce papier étudie, le taux des complications en fonction du type de chirurgie que l'on pratique. Et on voit très bien que chez les patients, vous disposez d'une section complète avec fistule biliaire. Et il est important de constater que la chirurgie précoce chez les patients qui ont une section complète de fistule biliaire, c'est 80% de et que la chirurgie différée, selon le rôle du cardiologiste, c'est important, n'a plus que 14% de complications. Donc il faut essayer d'utiliser plus le service du radiologue. Parce qu'évidemment, l'endoscopiste, comme vous le voyez, sur ce constat, ne peut rien faire en endoscopie. Le cathéter bute sur les clips, il n'est pas moyen de passer un lit pour enlever pousse, pour aller dans la partie proximale de la voie de guerre. C'est là où on rentre en jeu, on rentre en piste, on rentre sur scène, le radiologiste interventionnel. Il va aller vivre dans le français, mais il faut qu'il y ait un peu humain à vivre, parce que les voies de guerre sont créatives à cause de la discipline. Et dans ce cas-là, il va mettre en place un externe interne des voies de guerre, et il va mettre un secondaire qui va laisser trois pour éviter les complications de la voie transatlantique des voies de guerre, bien entendu, et quelques jours après, on va mettre une prothèse par endoscopie. Et évidemment, il peut donner par la même occasion que la collision de guerre. Et quand même, dans les deux tiers des cas, c'est son total de la voilière, on dit qu'en réalité, plus la réussite est grande sur la voilière, plus la qualité, plus la collection de l'INAL est importante. Alors, voici une première observation. Vous voyez, toujours au cercle grand groupe d'études, c'est identique, vous ne savez pas, on a tout à l'heure c'est une section complète du canal hépatique commun, donc évidemment, qui sont tous très riches, évidemment. Ça, c'est simplement l'intérêt d'un endoscopie interventionnel. C'est d'organiser la stratégie thérapeutique sur l'endoscopie immédiate, enfin, plutôt même précoce, ou plus tard. Alors voici, ça c'était un exemple de section complète avec fistule. Ici une section complète du canal hépatique commun avec obstruction complète.
Ça, c'est une idée pour le chirurgien. C'est spécifique pour l'anastomose des paupières, pour le même problème. L'anastomose du digestif, toujours pareil, les clips vont se passer, même si la droite est gauche. Cette observation, nous avons vu à la courtoisie du professeur Vitale, qui est un chirurgien américain, à Louisville, dans le Kentucky, et que j'ai eu le grand plaisir, ce qui est rare pour les chirurgiens français, en tout cas, d'enseigner le catégorie du mobilier à la Sainte-Catherine en Australie. Et il y a dans son service aux États-Unis, c'est un chirurgien du DR qui fait quand même des écoles, avec la chirurgie lourde, digestive, qui est un excellent endoscopiste. Donc je n'avais pas d'observation de section du canal hépatique droit, mais là, vous voyez, c'est une très mauvaise interprétation de cette radio. Cette radio conclut à une fissure du canal cystique. On fait une sphincter retenue en place, on fait une sphincter retenue et on met en place une brochette plastique de l'Ifrench. La fistule persiste malgré ce traitement et mon collègue reçoit ce patient, évidemment fait une classification transhépatique pour avoir l'anatomie des voies biliaires au-dessus de la section. On remarque les topologies qui sont identiques et trouve évidemment une section du canal hépatique 3. Ce qu'on pouvait, si je peux revenir en arrière, si je suis capable, oui, ce que vous pouvez deviner sur cette radio. Parce que là, le chirurgien qui a fait cette intervention, ça n'est pas mon ami installé, a interprété ça, ceci, comme une fissure du canal du moignon cystique. En fait, on voit très bien que là-haut, il manque quand même le canal hépatique. Cette troisième observation est assez intéressante aussi. C'est un patient qui a été adressé chez nous pour persistance d'une fistule. Au départ, voilà sa première plongeographie, on conclut à une fistule vésiculaire, et vous voyez une petite image claire en bas, sous l'endoscope, qui est quelqu'un qui a plus de l'océan associé, et on a pratiqué une sphincterotomie endoscopie avec l'exploration instrumentale de la voiture. Mais si on analyse cette radio, que nous avons vu tout à l'heure, on remarque qu'il y a une opacification du voilier intra-hépatique, la droite et la gauche. Donc c'est pas, ça n'est pas une fissure périphérique qui ne voit rien. Normalement, la pression est suffisante pour créer une fuite par le moyen cystique. Donc là, c'est une erreur d'interprétation. Et d'autre part, le calcul en bas, en fait, l'exploration de la voilière, c'est un effet arrière négatif, et cette image ronde, extrêmement cerclée, si régulière, n'a pas une vague de la calcul. C'est une blague. Et ça, c'est lié à quand vous insufflez dans le homme, même en termes de maladie normale, l'air peut passer dans la voilière. Donc on a fait un geste totalement limité, puisque vous voyez qu'en réalité, la transhépatique a montré un segment exclu d'une section du canal sectoriel 5-8. Le siège aberrant qui s'implantait sur le canal cystique, où il a été également réalisé une anastomose hépatico-jugulaire. Maintenant, le dernier chapitre sur les sclérose après cystectomie. Nous avons une petite série, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que les sclérose primaires, c'est-à-dire les sclérose d'emblée, les deux catégories de sclérose d'emblée, et celles après tentative de réparation pendant la laparoscopie. La première, c'est que l'équipe qui va répondre à ce que l'équipe dont je vous ai parlé tout à l'heure, où la diffusion du courant est permis, ça arrive moins d'un tiers d'état. Alors, les stéroses après réparation durant la laparoscopie, c'est pourtant conseillé au départ, dans la prévention, de destiné de faire des tests laparoscopiques, vous voyez que la suture idéale et la suture claire, ça fait 74% ont été traités par une technique per laparoscopique, parce que la complication est reconnue immédiatement. Et nous allons voir tout à l'heure que ces stéroses sont beaucoup plus difficiles à traiter. Parce que souvent, on n'est pas sûr de pouvoir traiter et de franchir ces stéroses. Donc il est évident que si on va faire quelque chose sur la voie binaire, il faut toujours faire quelque chose sur la voie binaire. À la rigueur, c'est un intérêt. C'est évidemment plus important, par la brèche d'hier, il y a rien à faire de plus. Et surtout pas s'amuser à faire des soucis. Mais les chirurgiens sont tellement perfectionnistes. Le temps en temps, c'est pas une guerre. Qu'est-ce que tu seras avec les Alors, quel est le protocole de traitement de ces sténoses pour l'endoscopie? C'est le protocole, un protocole standard, un protocole séquentiel. Le protocole standard est extrêmement simple.
On met une, deux ou trois prothèses, le maximum qu'on veut. Là, si on n'en met plus, il faut faire une sphincterotomie. Et il faut en mettre forcément plus, si on a une médiatrice efficace, où il n'y a pas 3 mm la prothèse. Vous voyez bien en bas, c'est 8 mm. Donc ce n'est pas insuffisant. Alors c'est pour ça que la sphincterotomie est obligatoire, si on met 3 prothèses. Si on met une prothèse mécanique sur la tête, ce n'est pas ensuite, on dilate la sclérose au ballonnet pour mettre plusieurs prothèses, on passe les prothèses classiques, une, deux, trois, un essai, et on suit le patient sur le plan clinique et biologique régulièrement tous les mois. Évidemment, on change les prothèses tous les 3 mois. Pourquoi tous les 3 mois? C'est un délai un peu arbitraire, parce qu'on sait que les prothèses classiques se bougent assez rapidement. Donc, pour éviter l'angiopérite, on les valide tous les 3 mois. Parce que les patients sont toujours confiants. On a d'abord expliqué si on a fait le premier tout de suite, ils n'y allaient pas tout de suite. Ils attendent, donc c'est pour ça qu'il faut changer préventivement tous les 3 mois. La durée du traitement se dit, c'est 10 minutes de traitement de 1 an, en gros. Et on apprécie le résultat sur d'une part, la vidange de la voie binaire, sur la radiologie, d'autre part, sur le passage d'un ballonnet de 15 mm à travers la sclérose sans aucune résistance, on est sûr que la dilatation a été efficace. Et vous voyez que le délai, peu importe, hein, la durée du traitement est 11 mois, plus court, plus court, plus doux, mais ça, c'est responsable d'échec, certainement. On a essayé, en voici un exemple typique, d'une sago et à gauche d'asthénose, le tissu d'après, en face de l'après, je me de le ballon, avec l'empreinte sur le ballon de l'asthénose. Ensuite, le troisième tissu, on a disparation d'empreinte, on peut très bien qu'il reste au ballonnet, et la mise en place de 3 prothèses de SDR, vraiment. Pour le traitement, vous voyez qu'il est fait que il est possible de mettre les prothèses, mais dans 79% des cas, puisque dans 21% des cas, on trouve que le suivi ne franchit pas la sclérose, et ne franchit pas la sclérose à cause de qui ou à cause d'un geste sur le cadavre de la parotide. C'est pour ça qu'il faut en faire avoir un peu de cible. Donc, parce qu'après, c'est très difficile de rattraper ces échecs. Alors voilà, la littérature montre des taux comparatifs de résultats. De dilatation des sclérose avec les prothèses classiques, c'est autour de 20% d'échec. C'est-à-dire des suites involontaires. Alors, l'autre option thérapeutique, c'est le traitement séquentiel. Qu'est-ce que c'est qu'un traitement séquentiel? C'est-à-dire quand on change les prothèses des corps, on rajoute une prothèse supplémentaire. Ce traitement séquentiel, comme vous le voyez dans cette série, a montré une disparition de la sclérose en 98% du cas. Avec un succès clinique de 97,8% des cas. Alors cet auteur a réfléchi au problème classique pour le traitement des sclérose post-opératoire et a cherché à savoir quel était le taux de succès en fonction de la technique standard ou séquentielle. Alors, on voit que le succès pourrait être en faveur du standard du séquentiel, mais la différence n'est pas statistiquement significative. C'est-à-dire que le nombre de prothèses qu'on met au cours de la première endoscopie ne permet pas de prédire un traitement précis. Ça veut dire que les voies binaires fines sont beaucoup plus difficiles à la dilater que les voies binaires dilatées. Par contre, à l'inverse, les douleurs sont beaucoup plus fréquentes dans le groupe séquentiel que dans le standard, mais cette fois, un écart manifestement significatif, ce qui a pour conséquence que si on continue à traitement séquentiel, il faudrait des antalgiques aux patients. Alors, les prothèses métalliques, pour moi je n'ai pas d'expérience personnelle, parce que malheureusement ça fait déjà 10 ans que j'ai arrêté d'exercer, et à l'époque, elles n'étaient pas disponibles et couvertes tout au moins. On voit sur cette première diapositive et sur cette série, les résultats concernant la vibration de la prothèse rotée de la prothèse sont radicalement différents. Parce que le matériel est différent et la technique est différente. La première série sur 33 patients, utilise une prothèse métallique avec une prothèse plastique en bleu cochon à l'intérieur de la prothèse métallique, ceci afin d'éviter la vibration de la prothèse. En haut et en haut et en bas, et évite les vibrations de la prothèse. Et surtout, du point de vue technique, il utilise une prothèse intra-billet, s'il utilise du métal. Intra-billet. Mais parce que n'oubliez pas que les prothèses sont des prothèses métalliques couvertes, qui ont tendance à glisser. Donc, le glissement est évité par la gueule cochon. C'est pour ça qu'il y a un taux de vibration beaucoup plus bas que la série opposée, 5,2% versus 9%,
Parce que l'autre, quand vous utilisez une prothèse avec l'assaut, c'est-à-dire avec un cil, elle est sur une distance qui passe à travers la taille, sur lesquelles vous tirez pour enlever la prothèse de taille. Mais malheureusement, même totalement couverte, le pouce supérieur n'est pas couvert. Et souvent, il y a une hyperplasie réactionnelle qui fait qu'on ne peut pas enlever la prothèse en tirant sur la cil. Les prothèses sont gérées. Quand on retraite la prothèse, pourquoi est-ce que là, il y a 100% fini? Parce que lui, c'est qu'il est, moi je trouve génial, de mettre une deuxième prothèse dans la prothèse. Dans la prothèse qui a pour la retirer, et ensuite pour retirer, on pourra très facilement les deux prothèses en même temps. Alors que l'autre auteur, va vous mettre une prothèse transfabilière, sur laquelle on peut tirer dessus, bien entendu. Alors que l'autre est intradigère, on ne peut pas tirer dessus. La bouche sur la transpapillaire, on peut dire ici, mais malheureusement, il y a une action hyperplasique comme on va parler de ça. Par contre, ce qui est amusant, c'est de voir quelle que soit la technique, quel que soit le geste, les résultats sont les mêmes, pratiquement, en ce qui concerne la mise en place des prothèses, pratiquement le succès, et surtout la récidive de la stéose, qui est identique dans les deux cas. Et chose intéressante dans la deuxième série, c'est que l'échec peut être traité avec succès par une deuxième prothèse mécanique. Alors, quels sont les messages, finalement? Premièrement, c'est d'abord que la CPE est indispensable pour décider de la stratégie thérapeutique. La chirurgie, en cas de sténose totale avec une sténose, avec une dilatation à la peau, la plus rapide possible, avec la grosse. La radiologie, en cas de sténose, de section complète à rectitude, pour retarder la chirurgie, tant de rééquilibrer le patient, le temps que tout aille mieux. Et l'endoscopie, a priori, dans tous les autres. Pourquoi? Parce que la chirurgie est tout possible avec la chirurgie dans l'endoscopie. Alors que l'inverse n'est pas vrai. À savoir, quand vous avez une astéose biologique dessus, pour nous, c'est l'enfer, vous allez se retrouver au niveau de la maladie. Le deuxième point important, c'est que les prothèses métalliques, donc là, c'était dessus, couvertes, elles ont des avantages indiscutables par rapport aux prothèses plastiques, par la facilité d'introduction. Rapidité. Et bien, en fait, la prothèse facile contre la côte, ce n'est pas si facile que ça. Parce que de temps en temps, on pousse à l'une, on pousse l'autre, trop loin. Vous comprenez? Ce n'est pas facile. L'efficacité supérieure, on lui a montré tout le monde s'est fait trouver, surtout l'hospitalisation moins fréquente, hein, parce qu'elle ne se bouge jamais. Parce que là, c'est contrairement à l'autre. Ça, c'est vraiment. Parce que les plastiques se bougent. Ça, c'est clair. Et surtout, la synthèse doit être pratiquée que si elle est nécessaire. C'est la raison pour laquelle on met du métal, parce que les métal, on met du métal sans 5 hérotonies, c'est très facile. Bon, les fissures sont très difficiles à 99% des cas avec les prothèses plastiques, mais en cas d'échec, on peut utiliser les prothèses métalliques, qui sont quand même un peu plus chères, avant d'envisager la chirurgie. Les stéoses biliaires sont très avec succès à 90% des cas avec les prothèses métal couvertes, évidemment, on a des échecs pour la chirurgie. Je suis un dernier mot. Le traitement des lésions post-opératoires de la voie biliaire doit conduire les trois collaborations entre les médecins et les chirurgiens. Bon, je voudrais profiter de cette séance pour rendre hommage à M. Lucien Léger, que je ne vais pas aller en mer, puisque je ne suis pas un médecin et chirurgien, une sorte de travesti médical. Et le professeur Léger, je lui ai voulu travailler dans son service pour des années. Vous savez, il pour moi un moment extraordinaire de ma carrière. Et d'autre part, il était un des premiers chirurgiens. Alors, on connaît l'intérêt de l'endoscopie et de la chirurgie intervention. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour toute cette énorme expérience. On attend pour quelques questions. Rapidement, je vous remercie de ce narratif de votre expérience très importante que tout le monde connaît et de votre habileté aussi. Bien évidemment. Juste pour discuter, il y a beaucoup de points qui pourraient être discutés, mais dans la première partie de votre exposé, vous avez montré que vos indications reposaient beaucoup sur le débit de la fistule. Or, à ma connaissance, il y a quelques sténoscopistes ici, on ne voit pas les cholecystectomies sténoscopiques. Donc ça suppose que les radiologues sont intervenus auparavant pour drainer la collection. Comment vous pouvez connaître le débit de fistule s'il n'y a pas de drain externe? Comment on connaît le débit de la fistule sur la classification, vous voyez, sous pression. Si sous pression, vous avez une fistule,
point important, c'est que... Vous avez parlé de 50 cc par jour, de 100 cc par jour. À ce moment-là, le tour des rails, on peut faire un procès de 5 à 100 cc. Moi, je crois que ça se manifeste. Les plaies par un abcès, par une biome, collection sous-hépatique, les radiologues, pour nous, les graines. Et je profite au passage des radiologues pour poser la question suivante, et j'arrêterai. Quelle peut être la place de la biome dans le diagnostic de ces lésions qui évolue maintenant pratiquement. Je ne montre pas la source de la fissure. Ça montre mais pas la source, pas le lieu, le localisation. Je ne suis pas tout à fait d'accord. L'intérêt du calabrisme, vous avez la précision du calabrisme, c'est non pas, et vous n'allez pas avec la technologie par rapport. Alors, je crois que nous sommes très complémentaires, parce que vous allez montrer l'opacification directe, ce qui communique et ce qui ne communique pas. La collange IRM a deux intérêts. Premièrement, mettre en évidence des segments biliaires exclus, qui par définition ne sont pas visibles. Et votre observation de l'anomalie, la variante anatomique du secteur postérieur est extrêmement intéressante. Une collange IRM l'aurait tout de suite démontré. Et on peut aujourd'hui, en utilisant des agents de contraste à élimination hépatobiliaire, en fait, arriver à savoir si telle collection communique avec l'arbre biliaire ou pas. Et ceci est assez intéressant. Parce qu'on peut aussi démontrer si c'est finalement un sérum post-opératoire classique ou même dans la chirurgie hépatique, si c'est un biome pour lequel on sera plus interventionniste. Je suis d'accord sur l'intervention. Merci. Comme l'ignorer a indiqué, un taux de fissure biliaire après que les systèmes commis de 3 à 5%. C'était le taux au début. Je voulais savoir si actuellement c'est toujours un taux aussi élevé. Il est évident qu'il y a un facteur qui facilite la fissure biliaire, c'est qu'après la paroscopie, il n'y a pas d'adhérence. Alors qu'après la parotomie, ça se bouge très rapidement. Je crois que c'est un des éléments qui facilite les fissures. Mais le taux actuel, je voudrais le connaître parce que 3%, ça me paraît considérable. Après l'hommage que vous avez rendu à Michel G, je ne peux manquer d'être sensible, puisque j'ai été sur place au moment où, à la suite justement, son souci constant d'innovation dans nos renoms et dans celui-là, et grâce à la rencontre qu'il y a eu entre lui et vous, nous avons vu se développer la chirurgie dont vous êtes aujourd'hui le porte-parole, l'exemple. Je ne voulais pas manquer quand même l'occasion de dire. Merci beaucoup. Merci. Je tiens à une question technique. Ne faisant pas de chirurgie biliaire, je voudrais profiter de la présence de tous les chirurgiens biliaires qui sont ici pour faire une réflexion sur la chirurgie opératoire. Je comprends, mais vous allez m'arrêter peut-être, qu'avec les modalités techniques de prédiction des calculs de la voie biliaire, on pouvait faire des colécystectomies concentrées sur la chirurgie opératoire. Et ma question, c'est la suivante, c'est du temps où je faisais la chirurgie biliaire chez les Rotreuil, on avait une phrase qui était très importante dans le contrôle opératoire, qui était la cholangiographie hyperopératoire faite après la fin du temps pédiculaire, pour savoir s'il y avait des anomalies du voie biliaire. Donc ma question est la suivante, est-ce que maintenant qu'on fait la chirurgie par la paroscopie, on a plus de chances de faire des erreurs dans le glissement, notamment du côté droit, et on a plus de chances de cliquer. Donc on fait une cholangiographie, pas ça l'apercevoir. La cholangiographie est systématique. Et dans le calcul, non. Et deuxièmement, l'histoire de la plaie des voies biliaires,
de l'anomalie anatomique des voies biliaires, de l'origine d'une plaie des voies biliaires, je dois vous dire que c'est exceptionnel. Je voulais lire toutes les statistiques. Anomalie anatomique des voies biliaires et plaie des voies biliaires, c'est très rare. Et je pousse à ce qu'a vient de dire Dominique, c'est une dissection très poussée du trépied biliaire, du triangle de Viano, avant de faire quoi que ce soit comme geste. Il n'empêche que dans un service, on a tendance à pousser la cholangiographie préopératoire. Pourquoi ? Pour que ça devienne une manœuvre simple à laquelle tout le monde est entraîné. Parce que si on en fait une de temps à autre, ça devient difficile à réaliser. Et ça a été ma politique. Et je ne crois pas qu'il y ait une complication de ces cholangiographies préopératoires. Et c'est discutable. Mais les recommandations médico-légales actuellement peuvent se passer de la cholangiographie préopératoire. Alors là, tu vas très loin, parce que quand on met ça, un dossier devant les experts regardent les moyens, et au contraire, ils critiquent parce que vous n'avez pas fait de cholangiographie préopératoire. Mais je termine en disant, pour abonder dans le sens de ce qui a été dit précédemment, maintenant, le taux des plaies des voies biliaires est considérable par rapport à ce qu'il était, j'ai connu il y a 10 ou 15 ans. Heureusement, une dernière question pour Valérie. Moi, j'avais une question. Vous avez bien mis en avant le rôle des prothèses métalliques, ce qui était d'ailleurs un dogme contraire, on va dire, de 10 ou 20 ans, on disait plus les bénis ne sont pas de prothèses métalliques. Alors justement, en fonction, combien de fois finalement l'idée c'est de mettre une prothèse métallique qu'on enlèvera, donc elle sera prise, et combien de fois parce que la plaie est située à tel endroit, qu'elle est différente, et finalement on va l'idée de laisser à plus long terme une prothèse métallique. Quelle est votre stratégie là-dessus? Moi j'ai tendance à mettre, quoi que ce soit la stéose ou juste, mais depuis une prothèse métallique, c'est clair. Parce que l'avantage, vous utilisez une prothèse sans ce qui retourne. Vous évitez les complications parce qu'il y a une prothèse.